la Sarbacane, c'est un travail, un tir de précision où on a besoin de son souffle. Donc ça permet de travailler sa respiration, ce qui peut être important pour des handicaps comme les personnes myopathes. Donc c'est un travail à la fois de concentration, travail du souffle. Vous avez deux catégories de tireurs. Vous avez les tireurs avec potence et les tireurs sans potence. On est en train de mettre au point des méthodes. C'est un sport qu'on a développé il y a maintenant 3 ans, qui est bien développé dans les structures spécialisées en Ile-de-France à destination d'un public handicapé adulte. Et maintenant, petit à petit, on essaye de mettre en place des cycles d'entraînement avec des exercices, des situations pédagogiques adaptées aux possibilités des pratiquants. Et ça, c'est en construction. La Sarbacane fait partie des disciplines entre guillemets réservées aux personnes lourdement handicapées, ce qu'on peut caractériser comme personnes lourdement handicapées. Et à cet effet, on leur a proposé 2 types de pratiques qui leur sont adaptées. La boccia, qui est une pétanque d'intérieur adaptée, et la Sarbacane. Développer ces 2 disciplines qui peuvent être très intéressantes à la fois pour la personne, mais aussi pour le sport pour handicapés en général. Sport, c'est une multitude de handicaps physiques, moteurs, visuels et auditifs. Et parmi cette panoplie de handicaps que nous gérons sur le plan sportif, il y a également les grands handicapés. Alors la Sarbacane, c'est une discipline qui n'est pas encore paralympique, mais qui se développe énormément. La philosophie de notre mouvement, si vous voulez, en termes handisport, c'est de ne pas faire d'exclusion. Certaines grandes associations de sport scolaire, comme l'UNSS par exemple, l'Union Nationale des Sports Scolaires, organisent des journées de mixité sportive composées d'un élève valide et d'un élève handicapé. Ça fait un binôme et ils participent à un tournoi, un challenge. La concentration permet justement d'avoir une emprise sur certaines déficiences, pas toutes bien évidemment, mais sur certaines déficiences, de les corriger.